Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, messieurs, bonsoir, bonjour également pour ceux qui nous suivront en rediffusion. Monsieur Instino Kabamba, bonsoir et bonjour. Bonsoir, bonjour monsieur Kibam. Eh bien, c'est avec ce monsieur que nous avons pratiquement commencé ce genre d'émission. En fait, l'émission Chassons la pauvreté, il se recherchait encore vraiment. Et il a fait du chemin. Il nous dira s'il a réussi ou s'il n'a pas encore réussi. En tout cas, il est en voie de réussir. Il nous dira quels sont ses secrets. Parmi les premiers secrets, quels sont ceux que vous pouvez nous révéler tout de suite pour réussir, pour chasser la pauvreté? Merci, M. Kibambi. De m'avoir invité encore aujourd'hui. Ça, c'est vraiment mon émission que j'aime beaucoup, Chassons la pauvreté, parce que la pauvreté règne encore dans notre pays et nous devons vraiment prendre d'abord conscience et travailler pour chasser ça. Alors moi, je suis informaticien et je suis coach dans le développement personnel. Donc j'encadre les jeunes. Donc le développement personnel, c'est l'ensemble d'actions qui te poussent à te découvrir afin d'avoir la clarté de ta mission sur terre. Parce que tout le monde a une mission. J'insiste toujours sur ça. Chaque jour, tout le monde a une mission. C'est aujourd'hui, maintenant, on est venu pour expliquer quelques techniques qui vont permettre aux gens de se découvrir, avoir la clarté et d'entrer dans le chemin qui va leur amener dans leur vision et leur mission sur terre. Oui. Alors, commençons par le commencement. Oui. Pour vous, le numéro un, c'est quoi? Il y a, vous m'avez dit avant de commencer cette émission, il y a quatre étapes. Quelles sont ces étapes? Bon, en fait, avant d'abord d'attaquer les étapes, je vais d'abord expliquer quelque chose. Donc, c'est-à-dire quoi? Pour changer quelque chose, il faut changer votre façon de voir les choses. Albert Einstein a dit dans une citation, « La folie, c'est faire la même chose et s'attendre à un résultat différent. » Donc, c'est-à-dire quoi? Si tu fais la même chose, tu auras le même résultat. Si tu veux changer les résultats, il faut changer la façon de faire les choses. Alors, nous, on a compris ça. On a dit maintenant, qu'est-ce que nous devons faire pour chasser la pauvreté dans notre pays? Première étape, nous avons l'ensemble, ce qu'on appelle l'ensemble des gains marginaux. C'est un terme français qu'on va essayer d'expliquer. Ce terme-là, on l'a eu où? Je l'ai eu dans une démonstration que un coach a fait dans une équipe en Angleterre, une équipe de cyclistes. Cette équipe-là a fait beaucoup d'années sans gagner la course de France, la Tour de France. Alors, ils ont dit comment on peut changer ça. Ils ont fait appel à ce coach-là. Le coach-là a dit, moi je veux appliquer cette technique-là, l'accumulation des gains marginaux. Ça veut dire quoi? On va chercher dans l'ensemble de tout ce qui compose les actions pour qu'un athlète gagne, on améliore chaque coin de 1%. Parce que si on s'améliore chaque jour de 1%, au bout d'un certain temps, tu vas atteindre un objectif. Si tu te dégades aussi de 1% chaque jour, au bout d'un certain temps, tu vas te retrouver proche de zéro. Alors, il a compris ça, il a dit maintenant, quels sont les éléments qui vont permettre que notre équipe... Donc, quels sont les éléments qui forment l'ensemble des actions pour qu'un athlète puisse gagner. Alors, les éléments-là, c'était quoi? Il a dit, nous devons nous rassurer d'abord que nos athlètes sont en bonne santé. Ils ont fait appel à des bons médecins pour chercher des savons, des gels et consorts pour l'entretien de leur corps. Le massage, notamment. Oui, les gels de massage. Ils ont trouvé des bons hôtels, des bons lits adaptés. Ils ont trouvé des vélos avec des pédales. Ils ont trouvé tous ces éléments-là. Ils ont dit maintenant, on doit commencer à améliorer ça d'1% chaque jour. Au bout de 5 ans, on pourra devenir champion, gagner la Tour de France. Mais il s'avère qu'il s'est trompé. Mais quand ils ont respecté ces actions-là, une année après, ils ont gagné. Une année encore, ils ont gagné. Ils ont gagné successivement la Tour de France. Alors, quand j'ai regardé cet exemple-là, je me suis dit maintenant, comment est-ce que nous pouvons appliquer aussi cet ensemble de 1% dans notre pays pour changer ce que nous sommes en train de vivre? Très bien. Il y a quatre éléments. Nous avons d'abord les signaux, les désirs,
l'action et la récompense. Tu ne peux pas changer quelque chose si tu n'en as pas dans ton domaine de connaissances. On doit d'abord t'enseigner ça pour changer quelque chose. Maintenant, quelque chose, comment tu peux avoir cette information-là? La technique simple, bien qu'on explique ça dans nos formations, mais si je peux déjà flasher quelque chose en disant, il faut d'abord connaître ce que tu sais faire, ce que tu aimes faire et ce que tu fais. Est-ce que ça résout un problème dans ta société? Est-ce que ça te rapporte quelque chose pour ta propre survie? Donc, si ces quatre conditions-là sont respectées, tu es déjà dans la voie de ta mission. Parce que ce qui trompe les gens, c'est quoi? Les gens cherchent que non, je dois être motivé pour faire ça, je dois être motivé. Non, ce n'est pas vraiment la motivation qui manque. Mais l'amour. Voilà. C'est d'abord, la clarté de la chose que tu cherches et l'amour de la chose-là. Alors, il se retrouve maintenant que beaucoup de gens vivent dans une fausse vie. Ce qu'ils font, ils n'aiment pas ça. Mais ils le font ça quand même, ils publient des photos dans les Facebook. Donc, ils sont vraiment dans une fausse vie. Or, ils ne sont pas vraiment dans la réalité. Maintenant, nous, dans le développement personnel, on enseigne tout ça. Comment quelqu'un doit avoir d'abord un signal dans son esprit? Il doit d'abord aimer ce qu'il fait. Si tu n'aimes pas si tu n'as pas la possibilité de faire ce que tu aimes, donc tu as quelque chose que tu sais faire. Concentre-toi sur quelque chose que tu sais faire là, même si tu n'aimes pas ça, mais investis dans ce que tu aimes. Par exemple, moi, je suis un informaticien, mais je ne suis pas passionné de l'informatique. Je suis passionné dans l'encadrement de la jeunesse. Quand j'encadre les jeunes, quand je vois une âme est en train d'évoluer, je suis dans la joie. Donc j'ai compris que je suis heureux quand je fais ça. C'est pour cette raison que je me concentre dans l'informatique. Pour avoir les moyens que je dois d'atteindre mon objectif. C'est pour cette raison que nous avons aujourd'hui notre fondation, les rébâtisseurs. Pourquoi les rébâtisseurs? Parce qu'on a compris qu'il y a des maisons. Quand je parle de maisons, je vois une construction mentale de notre population qu'on doit détruire et rébâtir maintenant avec de nouveaux concepts. Parce que le paradigme doit changer. On a une façon de voir les choses. C'est pour cette raison, dans ma situation que j'avais commencé, si on fait toujours la même chose, on aura toujours le même résultat. Maintenant, comment changer ça? C'est pour cette raison, on a maintenant appliqué une formule que j'appelle aussi l'accumulation des gains marginaux, Komi Nezayabiso, c'est-à-dire que nous poussons maintenant la jeunesse maintenant de se retrouver autour de ce qui les rassemble. Qu'est-ce qui nous rassemble dans nos quartiers? Ce sont les avenues, les quartiers, les communes, les villes, et jusqu'à ce qu'on va atteindre que Congo Ezayabiso. Quand on dit déjà que Komi Nezayabiso, quelque chose qui t'appartient, tu ne laisseras jamais une autre personne venir détruire ça ou bien te voler ça. Je donne un exemple. Quand on marche dans la rue comme ça, on trouve un chien qui est en train de voler quelqu'un. Comme tu ne connais pas la personne, là, tu dis « Narokota makambuanate ». Mais si c'était quelqu'un que tu connaissais, ce qui quelqu'un a Zayayo, si tu le considères qu'Azayayo, tu ne peux pas, laisser voler Rwana Aïbaye. Tu vas aller pour agir. Maintenant, si maintenant on commence à considérer nos avenirs, c'est comme notre avenir, c'est notre affaire. C'est un exemple. Tous ceux qui habitent là-bas sont nos frères. Sont nos frères et on ne va plus laisser les choses. Ça arriver à eux, sachant qu'ils nous appartiennent, tout ce qui nous entoure. C'est ça d'abord les grands projets là, c'est ça l'accumulation des gains marginaux que les coachs là a appliqué en Angleterre. Nous maintenant, nous pensons que si on applique ça ici au Congo, ça va nous permettre maintenant de régler les problèmes réels de la pauvreté. Parce qu'on peut estimer que non, c'est rien, non. Si on commence là, 1%, 1%, 1%, fois autant de gens, pas autant d'actions, ça va donner un résultat. Oui, mais moi, je voudrais que vous repreniez les conditions. Signal, désir, action, récompense. Revenez là-dessus. Même en Lingala, d'ailleurs. D'ailleurs, merci. Signal, c'est-à-dire qu'il faut ozala na information et l'eau. Ce que comme une information et l'eau qu'on a moutou na yo, n'est que pèse à yo posa. Ok, n'est que ça la yango. Mais posa, c'est quoi, ça a influencé dans l'environnement. Je donne encore un exemple. J'ai déjà expliqué côté signal, c'est-à-dire tu dois aimer quelque chose, tu dois chercher. Si quelque chose au lingara yango, mais au yébité, faut luka ou apprendre yango. Comment apprendre? Il faut chercher bato bana ba compétence yango. Moi, je peux vous garantir, les gens cherchent toujours les moyens. On n'a pas les moyens. Non, les moyens, on les crée. Parce que tu as la mémoire, tu as l'imagination, reste calme, réfléchis. Parce que moi, j'ai appris la formation de développement personnel que j'ai payé 3 600 euros. Je n'avais pas les moyens. Mais parce que
je voulais et je suis arrivé. Nous, en développement personnel, on dit quoi? Le perdant trouve les excuses, les gagnants trouvent les moyens. J'ai trouvé les moyens et je suis arrivé. Donc, les gens doivent comprendre qu'on ne doit pas toujours rester dans les excuses, excuses, excuses. Nous devons trouver les moyens donc, pour atteindre. Donc, Koyeba, Kolinga, Action. Action, c'est quoi? Ce qu'on linge loco, n'est qu'on peut sa motivation, yagoya. Tout ce qu'on a linga, je donne un exemple. Par exemple, pour avoir les désirs et loco, bah, expert, moi, bah, c'est expérience, moi. Bah, lobby, bah, tout le monde, bah, n'est tanga, place, bah, n'est tanga, bah, n'est au la banque à baji. Ce, bah, si, si, au tanga, bah, yé, bah, baji, bah, zomela. Bah, zu, bah, jouant, bah, étude, moi, bah, habité. Tout mélanger, nan, nous, baji, na, bah, maï. Tout à l'heure, nous, ce qui est préféré, nous. Bah, ça, les titres, bah, constater que, ah, le jour où on a un bateau, bah, bima, bah, préféré qu'on met la maï, que baji. Donc, bah, bah, n'est qu'on met la j, parce que, bah, c'est une option, monsieur Souté. Alors, bison, n'est qu'on toujours formé, bah, autour, il y a développement personnel, toujours, pèse, ça, bah, possibilité, bah, on a plusieurs options. Voilà. Plusieurs options. Bah, on a Oyo Balingi. Oyo Balingi. Parce que tellement besoin imposer biso kaka option moko ah batu bawa ko lingango malgré choix na bango. Nous maintenant on explique batu comment est-ce que et vous permettre au moins à plusieurs options pour que au ça la choix et loko linga pour que facilite. Mais quand déjà au sepel ne loko ne ko pousser yo au banda ko ça la action. So bandi ko ça la yango. So bandi ko ça la siko action. Action et ça la marandenge ni. Difficulté li bosu tozana en action c'est l'effet de commencer. Commencer, c'est vraiment un problème. Oyo et Bomarabatunios. Dernièrement, j'ai publié un article et j'ai dit le courage de commencer, c'est la clé de tout. Parce que c'est là où ça pose des problèmes. Même Kokende Moussala, moi, je me concentre toujours dans 4 ans à côté. Parce que c'est Yangonde et Bandelanios. Avant, na banda osala quelque chose, je dois d'abord me lever sur mon lit. Alors, Bitumbalanga, Makase, moi, je ne me concentre pas du reste, je me concentre. Comment est-ce que il faut d'abord n'atteler les mains? Bon, pas ça n'en a du tout. Tout ça n'a courant, tout ça n'a moins problème. Quand on peut dans le baril, on a un sengo, énergie, zo, bima, malam. Oui, oui, oui. Ouais. Alors, ceux qui osa la motivation, la haine, la haine de départ, c'est pour cette raison qu'on a créé un mécanisme belé pour qu'on a créé habitude. Parce que là, on s'attelle sur les habitudes. Ce sont les éléments, les étapes pour créer une habitude. Na ochaba réveil. Je vais stimuler ma biloko, na tche ma musique. Na... Ça dit que au début c'était difficile. Moi-même j'ai pris la conscience que. Ah, comme je moi, tous les jours je me réveille à 4h du matin. Oh. Et j'ai connu un problème. Quand on a voyagé à Dubaï, tellement j'ai programmé mon esprit, il y a qu'on se réveille à 4h du matin. Comme tous les ans, il y a 3h. Et chaque jour à Dubaï, je me levais à 7h. J'ai raté même un rendez-vous. On devait aller à 7h15, on devait venir nous prendre. Batu Balamouki, moi, comme j'ai déjà programmé mon subconscient. Décalage horaire. Décalage horaire. Na surtout qui carabou, 7h. Na sokoli pendant 10 minutes, yambang, na eu zakout retard, na rata événement. Parce pour l'absanini, servant na biso, soki au messanissier na eloko, a kondima yango, et puis yolé kan action. Soko moni, bilo ono so batu balo sa alelo. Eza bilo ko déjà ba messana nango. Il y a un commis difficile. Il y a un point d'abord, il y a un moment qui est difficile. Maintenant, nous, on a maintenant la clé. La clé, la connaissance et les techniques. Comme ça marchait chez moi. Ça marchait sur les jeunes qu'on est tenté d'encadrer. Donc, ça peut marcher pour tout le monde. Parce que tout ça, le même cerveau. Cerveau, libéré, ça a raté. Cerveau, nous, c'est un dingue mort. Donc, tout ça, on a maillé le bisognonso. Hier, j'ai expliqué même aux gens. Tout le monde a la capacité de devenir leader. Mais pourquoi les autres ne deviennent pas? Parce que c'est les sacrifices. Qui te sépare oui de l'action ne batubile bazara prêt ya osala ya ngote. Alors si tu n'es pas prêt à faire ces sacrifices là, fais un choix de travailler pour les leaders, parce qu'il y a des gens qui sont prêts à faire ces sacrifices là. Toi maintenant vois, moi je ne suis pas prêt à faire ces sacrifices là, mais comment est-ce que je peux accompagner un leader pour que moi je vais atteindre ma mission à l'accompagner aussi? Parce que toi, tu n'es pas prêt à prendre ces risques-là. Mais tout le monde cherche à être leader, mais avec quel talent, avec quelle capacité pour atteindre. Maintenant, quand tu passes à l'action, la récompense que nous faisons allusion ici, ce n'est pas la récompense d'abord immédiate. Parce que les gens cherchent d'abord la récompense immédiate. Moi, comment est-ce que j'ai créé ma récompense immédiate? Parce que je sais, en lisant, en apprenant,
Du coup, je n'aurai pas la récompense. Ma récompense est à long terme. Mais je dois créer d'abord au babé une récompense immédiate. C'est-à-dire que je dis, ah, c'est-à-dire que ceux qui ont l'amour qui 4 heures, les lots, pour moi, c'est un miracle. Donc, je dois accomplir un miracle demain. C'est-à-dire que tant on a l'amour 4 heures, je me crée moi-même une récompense. Je dis, ah, on a réussi à faire 4 heures. Donc, l'objet sous, je dois relever ce défi ici. Je crée des récompenses immédiates pour que et motive à le cycle est tourné. Et comme d'habitude. Et comme maintenant d'habitude. Tant que comme d'habitude, maintenant, le fait que 4 heures, on a tellement avancé que l'on a atteint l'objectif, on a créé l'habitude et comme je suis efforté. Ouais, je ne déploie plus l'énergie pour m'élever à 4 heures. Parce que bah, tu déploieras plus d'énergie pour l'énergie. Et l'énergie, on a capitalisé en, haut, en fonction de l'habitude du monde quelconque. On a pas la possibilité maintenant d'avoir la 4 avec facilité. Satisfaction immédiate. Oui, récompense immédiate. Là. Récompense je crée immédiate. D'abord. Après Wana. Après Wana. Maintenant, ça crée maintenant une boucle. Non? Mm-hmm. Quand tu as le signal, au CPL Nango, tu passes en action, tu crées. Les habitudes, oui, on va nommer mon action. À ce moment-là, tu crées ce qu'on appelle la récompense. Ainsi de suite, tu t'avances chaque jour maintenant de ton rêve. C'est pour cette raison que j'avais dit, tu dois avoir d'abord la clarté de ce que tu cherches. La clarté de ce que tu cherches, c'est-à-dire quoi? Dans la formation d'abord. Est-ce que j'aime ça? Si je n'aime pas ça, mais qu'est-ce que je sais faire maintenant? C'est ça la question que moi, les questions que moi je me suis posées. Je fais ça en attendant de faire ce que j'aime. J'aime. Non, pas en attendant, mais en investissant. Ah oui. Parce qu'en attendant, là, ça va te distraire un peu. Moi, quand je fais, une fois que j'ai gagné quelque chose en informatique, j'investissais directement dans ce que j'aime faire. Je prends, j'investis, jusqu'à ce que là-bas, ça sera complètement terminé et je vais complètement abandonner tout. Je vais complètement abandonner tout pour me concentrer, parce que c'est ça la mission. Pour maintenant consommer, non. Oui. Vous allez abandonner maintenant pour... Consommer, mais dans la joie. La satisfaction. Dans la satisfaction. Du travail accompli. Du travail accompli. Alors, nous sommes sur le terrain avec les jeunes. Oui. Vous leur dites quoi? Voilà. Comme les Ayabiso, nous avons notre lancement, c'est 17. Les jeunes, souvent vous venez pour de 2000 francs. Souvent vous venez pour de 1000 francs. Mais aujourd'hui, je vous appelle... Pour rien. Pour rien. Mais pour un message, pour des techniques, pour les outils qui vont nous permettre de changer notre pays. De changer nos milliers de vies directes. Rue, quartier et avenue. Commune Ezayabiso, avenue Ezayabiso, quartier Ezayabiso, Congo Ezayabiso. C'est notre affaire. Il y a quelqu'un au Akoya Asungayo. Moi, dans le développement personnel, on nous enseignait quoi? On l'a dit... Sur 100% des gens qui t'entourent, sache-le bien que 50% ne s'occupent pas de tes problèmes. Ma problème na yo est taliban ngote. Yeba yango lisusu. 40% ya batu bazo sepe la ba mono na ba condition wana za ngwe mabe. Les 10% au batigali wana bazana na posa ya ko aider yo mais bazana makokite. Donc tu te retrouves seul. Tu dois d'abord avoir cet état d'esprit là que tu es d'abord seul. Il n'y a personne qui peut venir de l'extérieur pour venir t'échanger. Il n'y a personne. Mon de mon côté, à quoi il va faire développer beaucoup ceux qui sont aujourd'hui conscience. Un blanc en Europe, tu sais pourquoi votre pays, vous, la population, vous n'avancez pas? Parce que vous ne savez pas négocier. Vous négociez trop bas. Comment toi, tu peux échanger ton temps avec 2000 francs? Comment tu peux échanger ton temps avec 5000 francs? C'est inconcevable. Parce que moi, tu peux me voler ma veste. Je peux la récupérer. Tu peux me voler ma chemise, je peux la récupérer. Pas ton temps. Mais mon temps, si tu la voles, je vais la récupérer comment? Bill Gates a 24 heures. Tout le monde a 24 heures. Mais toi, qu'est-ce que tu veux? Tu fais avec tes 24 heures. Parce que moi, quand je pose mes pieds chaque matin, je me dis, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui pour impacter une vie quelconque? Je vais impacter en quoi? En faisant ce que j'aime pour améliorer les autres. Quels sont les résultats? Jusque-là, nous avons lancé en go. Mais au Banda qui déjà quand même mouké pour mobiliser Bana. Voilà. Aujourd'hui, notre fondation Les Rebâtisseurs a réussi à encadrer aujourd'hui plus de 50 jeunes qu'on a préfinancés avec des petits budgets, sans intérêt, mais ils remboursent pour permettre de financer encore les autres. On a aujourd'hui 50 mamans
qui font aussi leurs activités. Et une maman qui était d'ailleurs veuve, je me rappelle quand on lui donnait $300. Et aujourd'hui, quand je suis passé, un jour je suis passé la voir, je vis que Arote Kamaba, oui, il n'a pas ni. Je l'ai trouvé dans la joie en fait. Et bah, client, il était vraiment dans cette ambiance-là. J'ai dit, ah, je suis quand même d'accomplir mon rêve de l'égalité de l'âme, de voir l'âme en train de se réjouir. Donc, mon créateur va m'accompagner. Donc, c'est ça notre vision que nous avons. On n'a pas les moyens. Aujourd'hui, sur notre table, on a plus de 300 mamans, 300 projets sur notre table qui attendent. Qui attendent ou qui fonctionnent? Oui, bon, qui attendent. Aujourd'hui, on a déjà 100. 50 jeunes et 50 mamans qui sont déjà en activité. Et chaque fin du mois, quand ils remboursent, et on a créé un système, et même ils ont accepté ça chaque samedi, ils viennent déposer quelque chose pour que ça ne pèse pas à la fin du mois. Et bazozong ça n'a samedi à ce bazozong si tu as une liste na biso ya 200 personnes wana combien bazali tu récupères ta 5 les sous to pèse. Bangwa bazozong ça chaque samedi si vous venez dans notre fondation. Mais papa pour tambola pour mokili pour payer kende liboso. Il faut que ça l'ango à l'espace ya ouais vous avez ça na commune nini. Jusque là tous on a changu. Comme on dit toujours, ce n'est pas discrimination. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Je dois quand même commencer mes actions là-bas. Parce que si c'est parmi les communes, ils appellent à niveau de vie, ils appellent moi bas. Ça, on ne peut pas les cacher. Et on a décidé aussi de commencer d'abord à relever mental à bas. Parce que maman, toujours pèse en bongo. Imaginez-vous que maman, moi, quand elle écoutait qu'à. J'ai oublié un article qui est en d'autres. Mais elle va expliquer formation et développement personnel. Elle dit, Alexis, n'a R, n'a Bilo, n'a Bando Sala. N'a comprendre de ce qu'il faut faire, n'a Bando Sala. Oui, on a CP la Kanango. Voilà, à Tiki, Owana, quand tu expliques la technique, parce que tu as la technique, moi, tu expliques, on a Nengeni, n'a pas de projet, n'a pas de Maboko. Donc, tu expliques mes opinions sur Oyo. Dans chaque étape, dans un projet, tu expliques que le bon comme au bal, chaque étape dans un projet. Donc, maman, elle a répété, et ça donne maintenant une énergie de vaincre. Et on est en train de les accompagner aussi. Parce que nous, on ne donne pas la formation, tu tiki bino bokei. Non. Bissou, elle a toujours un formateur, toujours un mentor, ou bazo accompagner. Il y a une équipe qui vient, bazo contrôler, mais bazo accompagner, bazo peso ba idée, pour qu'on réfléchisse ça. On explique les gens comment est-ce qu'ils peuvent méditer pour leur travail qu'ils le font. Comment ils peuvent voir autrement. Ce qu'on appelle quelle est ton offre personnelle. Tant que nous avons que loco, tala ou nous sommes pas au salaté, nous ça. Ça dit bon, quand même loco, mais qu'est-ce qu'ils ne font pas? Toi, tu dois le faire pour attirer les autres. En développement personnel, nous dit qu'est-ce que tu fais quand tu sais que les autres personnes veulent aussi faire ce que tu fais. Cherche ce que tu cherches. Toi, tu dois travailler plus dur que eux. Tu dois t'élever toi que eux. Donc, tu dois faire plus que eux. Donc, on enseigne ça et les mamans. Tu vas voir une maman de 50 ans, de 60 ans, mais à zui esprit, à révolte. Mais, on a eu ça par télépsychiateur. Un jour, on a eu dit que, comme la France, alors que vous avez nassé, vous avez la France et vous avez la Nani. Donc, il y a beaucoup de réussir. En tout cas, s'il faut qu'on compare à Nazalaki il y a 2 ans, Moutou Aïbaïna il y a 2 ans, Nao Aïbaïna aujourd'hui, il y a les jours et la nuit. Qu'est-ce que t'attends à Azako Loba, Azako Yébisayo avant mon père, pour ça qui paye? Mon père me disait une chose, le courage et le développement et le dévouement font l'homme. C'est-à-dire, courage n'a commis pesana et loko, n'de salakamoutou. Je ne sais pas si on a théorie. Mais un jour, il y a un révoltant. Et c'est que Zali, ce qui est en démission, quand je suis en train de se faire, je suis en train de se faire. Et je suis en train de se faire. Ah! Pourquoi? Parce que je me dis, on arrivera quand même à ce qu'on a en honneur. Mais je vous vois, mes enfants directs, vous n'avez pas suffisamment de moyens pour m'enterrer. Ah! Ah bon, Anna, et dérangeant à la vie. Oui, effectivement, tu as raison. Mais quand je suis allé, je me suis rappelé d'une leçon de perception à développement personnel. Bête la histoire, il y a Moutmoko, à Kenaro Luka, qui s'y a mbongo.
nganga bingsi na mai aye na 0R nganga memie na mai a memie na mai pour faire court nganga zumu tunae a dinisa na mai a bimisi a tunie e ozalaki na na se a mai o bandego lugani habitant na zalaki na ndo lugaka ka kopema. Donc je n'avais besoin de rien bi les jours où tu vas chercher l'argent ndengo bandego luka pema na se a mai tu l'auras. Et j'ai tout fait pour ne pas, je l'explique ça même dans nos formations, j'ai tout fait pour atteindre là où je suis. Vous pouvez imaginer que moi j'ai rencontré plus de 280 députés de ce pays pour leur parler de ma compétence. Parce que dans la formation de développement personnel, on nous a toujours dit il faut développer votre capacité de communication. Allez vendre votre produit. Tu es quel produit? Moi j'ai dit, je suis le produit informaticien. Je connais faire des logiciels. J'ai une idée. Mais est-ce que c'est impossible de trouver un marché ici? J'ai dit, bon, je peux aller vers qui? J'ai dit, bon, je n'ai qu'un an, nous, dans la méditation, dans le calme, une idée m'est arrivée. Balobi, il faut que nous lukana nous atawa balobi l'nabiso. J'ai expliqué que je suis à mesure de faire ça. Je peux apporter ça. Voilà ce que ça peut apporter dans le pays. Au Kenya, Baba Tumusu Subaru vend des sayo pendant 5 heures de temps. Bayambioti, je ne suis pas fatigué. On nous a encore enseigné dans le développement personnel. Ce sont des principes que j'ai appliqués. Tu vas tourner la boucle jusqu'à sec. Tant que la condition que tu as mis est atteinte, on a bouclé Nangezaki. Je dois rencontrer les 500 députés. J'ai pris d'abord cet objectif-là. Je dois rencontrer les 500 députés de notre pays. Tant que boucle est en exilité, je ne pouvais pas. On rencontre la bonne. J'ai rencontré 280 députés de ce pays. Basalini. Bamsou Balakio, Bamsousou Bazelicio, Bamsousou Bayambio Pete, Bazuika Radosenayo, mais na kotisa ba lettre, na des. Ah, on a kisha ça. Naza ba kise réception là-bas. Oh, bah, pesanga ba kise, parce que nous sauté. Non, c'est Zaïka, Oyepe, Boué, Vandissio, Bayambiote. Mais Natika a quitté. Mais elle a commis la 281e personne. Il m'a écouté. Il a dit, ça, c'est une bonne idée. Je vais voir à quelle mesure je peux t'accompagner. Mais ça a pris du temps. Ça a pris du temps. À chaque fois, dans une occasion, dans un an, il me promettait toujours que tes idées, ça peut apporter quelque chose dans ce pays. Le jour où j'aurai l'opportunité, je n'oublierai pas. Et puis, Mokolowana. Mokolowana et Kokaki, il a fait appel à moi et j'ai apporté aussi beaucoup dans ce pays. Donc, ce qui n'a kataki boucle, ce qui n'a décidé qui n'a descendu à l'embana. Mais les gens n'ont pas veste qui t'ont coyoté. Donc, c'est ça ce qu'on enseigne. C'est pour cette raison qu'on explique aux jeunes, nous devons changer notre façon de voir les choses. On cherche d'abord d'avoir avant d'être. Or, il faut d'abord être avant d'avoir. Les gens, même à l'école, on nous enseigne toujours le verbe être avant le verbe avoir. Expliquez ça. Je suis. Donc, tu dois d'abord comprendre qu'est-ce que tu cherches. Tu cherches d'abord quoi? Bamsou bazar balougarelo comme on dit. Bah, tu parles à la formation à tout le monde. Monsieur, excusez-moi, aujourd'hui, tu as besoin de combien pour faire quoi? Ça, j'attends moi 1000 nangas là. Oh, papa, dis-moi clairement. Parce que moi, tel que je suis là, je marche avec mes projets dans mes mains. Donc, si quelqu'un me voit maintenant, je sais les projets urgents. Projet intermédiaire. Intermédiaire et puis à long terme. Je sais ça. Donc, ça dit que je marche avec ça. Je visualise ça. Je vis avec ça. Je ressens déjà la joie que je l'ai déjà accompli. Parce que tout ce que je suis en train d'accomplir aujourd'hui, ce n'est pas un miracle. Moi, je ne crois pas à la chance. Je sais que je crée la chance. Parce qu'en travaillant dur, on crée la chance. Et vous priez? Oui, je prie. Tout ça, toutes ces récompenses, en fait, vous remerciez le Seigneur de oui, vous les avoir. Déjà, moi, quand je remets, parce que moi, je dis toujours, la grâce que mon Créateur a fait de moi, c'est de m'aider à comprendre mon rêve. Très bien. Et Papa Sukoyo, tes papa maintenant a zaire parce que maintenant il est en train de voir que son fils il n'a pas encore atteint son objectif. Mais ceux qui a confié
Te voilà, voilà, t'as son gamin au cocaté, ma taba n'ingo n'a pas un abango, barosungaï. Dans sa ligne, la ministre, n'a qu'un peu mouninga à bateau, bagoquipe ou edinga, n'a sa rappel au gomme. Bon, mot de la fin, parce que Bazao signale un gars que Totikali n'a 3 minutes. Alors, ce que je peux demander, on a aussi un gars jeune, parce que binonde boza énergie. Ba papa, ba le peuple son mécanisme, mais accomplissement y a ba mécanisme na bango, bazan na posa énergie y a ba jeune. Boya le 17. Nazan na message ya malonga au peuple Sabino. Et bo adhérer pe na fondation na biso parce que fondation za dans ça ko développer ba jeune. Yo pe ko profiter na ba avantage ya fondation, soko de comme membre oyo ba ninga mususu pe bazali ko découvrir ko bénéficier na yango. Mais soki oboyi ongota na musika, o ko regretter. La seule souffrance où est l'équipe à souffrance, c'est les regrets. Ce qui est le rôle de Moninga. Il faut gagner aussi le droit d'être aidé. On va t'aider parce que tu as fait quoi? Tu veux qu'on t'aide? Tu as fait quoi pour qu'on t'aide? Nous, au moins, la fondation, nous pouvons quand même aussi réclamer que les gens viennent nous accompagner. Parce qu'on a déjà accompli des choses, on a réussi à transformer les êtres humains. Et puis, si vous faites votre devoir, vous êtes en droit d'exiger les droits. Les droits. Mais vous, vous et d'ailleurs, vous avez suffisamment de colère oui. Si le droit ne vient pas, bah, vous l'exigez. Parce que vous avez fait votre devoir. J'ai dit seulement vous avez fait votre part. J'ai dit quand même aux jeunes aujourd'hui, j'ai dit, mais quand tu viens... Tu échanges ton temps avec 1000 francs, avec 2000 francs. Soyez moutamé, le message à Malongate. Tu n'as même pas le droit de lui dire que le message n'est en latin. Parce que tu as déjà acheté. Il t'a déjà acheté. Mais quand tu viens avec tes valeurs, tu écoutes, tu as dit que monsieur, tu sais que tu viens de dire là, ça n'a pas de sens. Mais quand tu as déjà touché quelque chose, aujourd'hui déjà moi 2000 naïs, mais tu vas changer quand? Nous, on ne veut pas ça. On est venu pour changer ça. Aujourd'hui, venez, vous allez voir que. Tous en a souci, il y a vous faire accompagner Bino, il y a vous accompagner Mboka, tout créer proximité là, il y a Batou pour que tout faire développer bah, milliers de vies Abisso direct et aussi les Sengo, et puis commune Zaya Abisso, Avenue Zaya Abisso, quartier Zaya Abisso, ville Zaya Abisso, Congo Zaya Abisso, né aussi là que tout développer en tout cas Liboso. Bah maman, bah tata bandeko, Elingo yo, to banda qui naie, bah émission, soit aussi si émission mon co bazar tout n'engage mais osuye wapi moi na wana azama yé les mingi les lo papa naie azana esengo yé beaucoup azana esengo gana yoga kaka azana France asali kuto émission na moi na n'engage na France a payé ma studio et tout ça oh azako loba na koki koye bisabino que eza aso baba danano na commune wana après. Et comme ça, la tâche d'huile locale à Tolbakana, les Français. Merci, Nandenge Boulandi Bissot. Peut-être Moya Souka, une minute. Merci. Moya Souka, tout ce que n'a reçu Nabino, Fondation Les Rebâtisseurs à l'Ingarabino Mingi, Bouya Ndekaka, les 17. À quelle heure? Ils en ont 10 heures. Le terrain à Swambanza, ils en ont Pascal. 10 heures, Batoubala Moukaka, oui. Nous sommes à 4h, parce que 10h quand même. Tu es à 10h déjà parce qu'on ne veut pas. Les journées, les gens qui sont en train de se faire, ils sont en train tout se faire. Tout ça, c'est avant midi. Tout profiter de moi et ma cité pour déranger. 10h déjà, ceux qui sont en train de se faire, mais ça, c'est en train de se faire 30-45 minutes. Mais pendant ce temps-là, tu peux s'appeler. Tu relaxes ta action, tu as tout ça là, tu as quelques actions. Le même jour là, tu as dit qu'est-ce qu'on a déjà fait, qu'est-ce qu'on est en train de faire et qu'est-ce qu'on pense faire. Donc, le jour là, vous allez voir ça, tu as invité Rosala, et tu as dit que 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 tu as mais vraiment, papa, merci ceux qui ont dit que tu parce que. Oyo aza peza Einstein aza na makanisi ya bien makanisi aza kokende peza liboso ye moko aza kikutu amuluba me aza kipembe boete sikoyo vraiment elongiete ya kongenga na sepe di papa bonne chance. Merci beaucoup. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, cette émission est terminée. J'espère que
nous n'étions pas très dispersés et que vous avez compris la quintessence. Et je vous remercie. Si vous pouvez suivre cet exemple, c'est tant mieux. En 15 jours.